Et salut à tous, on se retrouve sur un live sur le merveilleux jeu Kaiser 4, qui est donc la suite logique de Kaiser 3, un jeu qui est sorti il y a belle lurette. C'est parti de mes premiers jeux sur PC. Et donc ce jeu est sorti en 2006. Alors j'avais pour mémoire un Kaiser 3 très très difficile qui a été développé par Sierra. Qui a sorti également le Maître de l'Olympe, qui était beaucoup beaucoup plus simple que Kaiser 3. Kaiser 3 c'était quand même un jeu où par exemple le but est de construire la plus grande et la plus puissante cité avec beaucoup de revenus et puis devenir une terreur et dominer toute la map avec votre puissance militaire et votre puissance économique. Et en fait il fallait rendre les gens heureux pour pouvoir faire augmenter votre cité. Bon bah c'est un SimCity-like avec un aspect militaire, mais il était aussi sujet à de nombreux événements un peu aléatoires, type des tremblements de terre, des révoltes, des gens sortaient dans les rues et mettaient le feu aux autres maisons, c'était une catastrophe. Donc ça c'était Kaiser 3, et donc de temps en temps, je suis un peu toujours malade, pardon, de temps en temps dans Kaiser 3 vous aviez votre cité, vous passiez des heures à vous faire chier, à faire en sorte que votre cité soit la plus belle possible en ayant un voisinage le plus évolué. Et pour X ou Y raison, d'un seul coup, vos bâtiments clés s'effondraient. Et c'était donc assez inégal en fait dans la gestion de ces événements un peu aléatoires. Même si vous aviez par exemple 4 ou 5 préfets qui passaient dans cette map pour faire en sorte d'éviter justement ces effondrements et ces incendies. Eh bien, il y avait quand même d'énormes soucis de gestion concernant ce jeu. Alors, on va faire en sorte de un peu calmer le jeu au niveau son là, parce que je n'entends rien. Le jeu est ici en anglais, j'ai chopé sur Steam. Alors, il est aussi à savoir que voilà, ça va être quand même un petit peu mieux. Le jeu sur Steam n'est pas du tout optimisé pour Windows 10. Donc du coup, quand vous le lancez, vous avez un problème de registre la plupart du temps, et donc il faut aller chercher dans les petits fichiers et run tout ceci en administrateur. Donc voilà. Donc nous allons donc j'ai pas beaucoup joué à Kaiser 4, donc on va voir ce que ça donne. Je n'ai plus vraiment souvenir de ce jeu. Nous allons immédiatement commencer un nouveau jeu. Donc, est-ce qu'on va faire un petit royaume ou est-ce que nous allons faire une république ou un scénario pour le coup Alors voilà, donc les deux premiers, donc le Kingdom sert ici à apprendre le jeu, hein, c'est la série didacticielle un peu à la con pour savoir comment fonctionne le jeu. La république c'est la campagne visiblement. Et on peut carrément passer à l'Empire quand on a fini la République. Et comme on voit que je n'ai absolument pas joué, on va pas forcément faire une campagne. On va plutôt se remettre tranquille. Ah ouais, on peut custom et tout, c'est cool. On va commencer tranquille par un scénario. Waouh! Alors voilà, il y avait quand même un chouïa plus de choix sur Kaiser 3. Mais donc ici nous avons 4, et donc Sirène faisait partie de celle-ci. Ce qui était dommage, c'est que dans Kaiser 3 vous aviez votre écran de présentation des campagnes, enfin des villes qui étaient disponibles pour du standalone, et il y avait un petit peu, enfin il y avait un léger brief sur le type de cité que vous alliez affronter, avoir avec vous. Donc par exemple sur Sirène on avait pas une map qui était relativement petite, qui était quand même assiégée, donc il fallait s'attendre à de l'activité militaire et donc pouvoir dès le départ engager sur cette économie militaire là qui était quand même assez demandeuse, ou alors vous aviez genre des grandes maps désertiques, etc., où la problématique était ici de trouver des endroits pour faire des fermes, pour pouvoir poser vos points d'eau, etc., parce que la ville a besoin d'eau courante, parce qu'au début, vous pouvez mettre des puits pour satisfaire des besoins primaires de votre population. Mais au bout d'un moment, quand on monte en gamme, on se dit, au lieu d'aller dans un puits qui pue un peu, on aimerait bien avoir les petites fontaines et tout ça, et pouvoir se prétendre un peu plus patricien que plébéien. Pour le coup, là, il n'y a absolument rien, donc on va un petit peu yoloter, et on va prendre Sirène parce qu'on connaît Sirène. Ah, voilà.
You develop a new fortune and reputation, nanana, nanana, it's part of this, donc en gros, là, les bails, c'est que on est quelqu'un qui est réputé être très dépensier et très très mauvais dans tout ce qui est dans tout ce qui est gestion de thunes, et pourtant il y a quand même des fous qui veulent encore s'associer à nous au Sénat. Hein, pour, et ils ont réussi à nous avoir à cette nouvelle mission en tant que gouverneur de Kyrenaïka. Cette province était sous le contrôle romain il y a quelques années, mais c'est parti en couille. Donc l'idée, c'est de construire une nouvelle colonie à Cyrène. C'était pas forcément l'endroit idéal, mais il devrait y avoir assez d'eau fraîche, d'eau courante et de terre fertile pour s'occuper correctement de cette population qui va grandir. Le problème étant qu'on est dans une région un peu marécageuse, donc ça pourrait être un petit peu casse-couille. Bon, et sinon, à part ça, à part la bouffe, donc tout ce qui va être légumes, thon et compagnie, il n'y a pas grand-chose d'autre en termes de ressources. Donc on peut devenir une plaque tournante du commerce, c'est cool. Alors, les locaux sont pas forcément les plus heureux à l'idée d'un retour de la romanité, comme on dit. Et donc du coup, on peut s'attendre à ce qu'on se fasse raid. Donc vous allez voir, ce qui est drôle, c'est que... Alors l'idée, c'est d'atteindre 1 million de population. C'est que les barbares ont vraiment une bonne tête d'hommes préhistoriques à côté de nos jolis patriciens. Donc on va se mettre en facile, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Et que, voilà, on n'est pas ici pour le challenge, mais pour remettre la main sur le jeu. Et s'amuser un petit peu. Voilà, donc let's begin. On va prouver aux gens qu'ils ont tort de ne pas nous faire confiance et de penser que nous ne sommes qu'un seul dépensier. Oh là là, ouais, j'avais oublié ça. Par rapport à KSR 3, on est sur la 3D ISO dégueulasse, qui était exactement la même hein, que celle d'Age of Vampires 3, qui n'a pas été le plus grand succès de tous les temps. Alors, là, on est dézoomé au maximum. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? On a du marbre. On a de la pierre. Bon, pas grand-chose. Pas grande-chose. Qu'est-ce que c'est que ces bails ? Ici, on a de l'argile. Un spot d'argile, du sable. Ah, c'est vrai que ce sont des... Un petit peu de fer. Ce sont des ressources qui n'étaient pas forcément présentes toutes dans... Donc Khazar 3. Et moi en général, ce que j'aimais bien, c'était justement ne pas du tout me mettre là où il y avait la route. Oh putain, c'est vrai. C'est un peu dégueu. Alors, qu'est-ce qui est ici la terre fertile? Bon, là, on a donc effectivement le côté marécageux dont on nous parle dès le briefing. Est-ce qu'on peut se mettre n'importe où? Je ne crois pas. Il n'y a que dans le maître de l'Olympe où on peut se mettre n'importe où. Bon, alors, où est-ce qu'on va se foutre? Déjà, on va voir ce que c'est que ces petits bails-là. Bon, ok. Donc, peut-être que la terre fertile, c'est tout simplement le côté vert hein, de ce truc. Bon, alors, on va commencer gentiment. Je sais pas trop où me mettre pour commencer. Parce que là, si on veut avoir 1 million de population, les gars, il va falloir se sortir les doigts immédiatement. Parce que là, il y a clairement pas de place. Bon, alors, on va... Qu'est-ce que c'est que ça? Du marbre encore. Du marbre et de l'or. Des gold digger. Bon, finalement, on va peut-être s'installer là, pour une fois. On va... Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. J'aime bien quand c'est droit. Hein. Voilà, donc on a ici le nombre de sous dont on dispose. Et j'ai complètement oublié comment on joue à ce jeu. C'est un peu plus la roue libre qu'effectivement que le premier, donc nous avons... D'accord. Alors,
Qu'est-ce qu'on veut en premier? On veut de la plèbe. Et la plèbe, ça vit dans des petites maisons, comme ceci, qui sont des insula. Insula ae, première déclinaison en latin. Et c'est... Ah, c'est un cauchemar pour mettre les trucs. Et ces insula, voilà, il va falloir les peupler. Donc ce sont des petites maisons assez simples. Donc on voit déjà les gens qui vont commencer à s'installer très très contents. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est que les plébéiens, ils ont pas trop de... Ils sont pas trop chiants en termes de gameplay. C'est-à-dire que bon, bah ils vont s'installer et si vous leur donnez pas à manger, bah ils se démerderont quand même. Bon, faut quand même avoir un petit peu de bouffe, mais voilà. Par contre, quand on passe sur des domus, donc des petits domaines, hein, ici on passe à la classe supérieure dans la société romaine, qui était donc, il y avait les plébéiens, et en dessous il y avait les esclaves qui n'étaient pas considérés comme des citoyens évidemment. Au-dessus vous aviez les equites, c'est-à-dire que c'était les personnes qui étaient capables de s'acheter des chevaux, donc classe moyenne, voilà, mais qui quand ils étaient dans l'armée, ils étaient capables de, enfin ils pouvaient entretenir des chevaux, et c'est en pouvant entretenir des chevaux qu'on pouvait un peu plus ou moins mesurer la richesse de certaines personnes. Et c'était déjà quand même pas mal, c'était déjà une promotion sociale de pouvoir se payer des chevaux. Et la small villa, donc la villa, hein, ici, les patriciens, sont des gens qui font partie de la noblesse, on va dire, romaine, et qui ne branlent rien, mais qui ont un statut un peu politique intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Alors déjà, les bails, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que... Ah, ok. Il nous faut une ferme. Donc, on peut la mettre n'importe où, mais c'est les fields qu'on peut pas mettre n'importe où. Ah, effectivement. Donc, voilà, tout ça, c'est autour du vert. Avant, c'était des petits picots violets pour signaler qu'une terre était fertile et qu'on pouvait faire le truc. Donc, du coup, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du grain dès le départ. On va éloigner ça un peu parce qu'en général, il n'y a pas trop d'attrait. Hein. C'est des fermes, donc c'est un peu... C'est un peu cassos, on va dire, donc ils aiment pas trop ça, les gens. On est à 350 de population, donc on va pouvoir commencer à faire des trucs sympas. Bon, bah, on va commencer... Donc, chaque ferme est capable de s'occuper de deux champs. Donc, alors, vous voyez, là, les petits personnages qui sortent, hein, c'est des gens qui commencent à recruter. Ils vont chercher des recrues pour pouvoir faire fonctionner le système. Donc c'est un peu chiant ce système par contre. Donc on va les mettre là, gentiment. Voilà. Et l'autre, ça ne fonctionne pas. Voilà, on va les éloigner un petit peu, visiblement. Sinon ça fonctionne pas. Donc là, on a nos deux trucs. Et... Oh, on peut faire pas mal de choses quand même au niveau agricole. Parce que si on a de l'olive, qu'est-ce qu'on a derrière l'olive? On a de l'huile d'olive! Et oui, donc du coup on va pouvoir faire du marketing là-dessus, du marketing agressif et se faire de la thune. C'est un peu pareil que pour le vin. Vin et olives sont des mets qui sont assez qui sont convoités par les les plébéiens à un certain. Oula, ça part en couille déjà. Qu'est-ce que c'est? Mets collapse. Alors. J'essaie de retrouver, hein. Excusez-moi. Éducation, religion... Ah, voilà. On va faire une préfecture. Voilà. Comme ça, le petit préfet, il va... Ouais, là ça a déjà commencé à prendre feu. Donc, les mecs sont chauds, quoi. Voilà ! Mon Dieu ! Mais il fait chaud ! Oui, ils ont un accent du sud, hein. Voilà. J'ai décidé. Ah, putain, ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait tous ces bails là. Ok, donc du coup, quand on a, je vous rappelle vite fait, une fois que du coup on a de la matière première, et ben on peut s'en occuper, on peut tout transformer pour se faire de l'argent. Soit on exporte de la matière première, on l'importe évidemment, soit on exporte de la matière transformée et on se fait plus de thunes évidemment là-dessus. Donc du coup, je vais quand même continuer à faire attention à tout ce que je dois faire là. Où est-ce que c'était là? Non, on va faire un engineering. Pour l'instant, on va pas s'occuper. Merde. On va pas s'occuper de... C'est un peu chiant, c'est... Bon, bref. Ah, j'avais pas vu qu'on pourrait tourner la carte, oh. Ah ouais, on peut se mettre un peu plus... Ouais, pas mal. Donc, voilà. Et là, on va se demander ce qui se passe. Alors, basic goods et tout ça. Ce qu'on va faire, on va quand même faire attention parce que les dieux, ils peuvent être très très vite mécontents. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on construit...
Voilà, ça demande 15 personnes. Quand on construit des temples, déjà, on va faire en sorte que les dieux soient contents. Les dieux qu'il faut en permanence contenter, hein, on va dire, c'est quand même Cérès, qui est la déesse de l'agriculture, et que si jamais elle est pas contente, elle vous nique tout ce qu'il y a dans vos greniers. Ou alors, si elle est très contente, elle va vous remplir le grenier dans vos entrepôts, et ce qui est vraiment très très utile, notamment en début de partie. Bon. Alors, voilà, on va demander un peu ce qui se passe auprès de notre populace. All right, there's not enough food to go around, so anyone caught hoarding food will have to answer to me. Donc, c'est assez drôle, les Romains ont un accent britannique, évidemment, ça a été développé au UK. Donc, on va avoir besoin de différentes choses. Déjà, bon, clairement, il n'y a pas assez, hein, il n'y a pas assez de bouffe. Par contre, il va falloir qu'on fasse un petit grenier, voilà. Hop, on va le mettre là. Comme ça, ce petit grenier va nous permettre de gentiment faire ce que les greniers font, hein, stocker de la bouffe. Alors, comment est-ce que je peux faire pour... Alors voilà, on se rend compte que la désirabilité de cet endroit est pas terrible. Parce que c'est moche! Et oui, on n'aime pas trop ça! Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des plazas. Alors, j'entends tout de suite les blagues sur Stéphane Plaza. Mais on va décorer en fait cette route, ça nous coûte un petit peu cher. Pour que ce soit un peu plus joli, on peut mettre des petits buissons, des statues, voilà, pour dire, bah, non, c'est pas si moche que ça, regardez, il y a des statues derrière. Hop! Pour augmenter la désirabilité de la zone. On va faire un truc un peu joli. Voilà. Ah, les immigrants arrivent. Voilà, et... Donc là, on a déjà un petit peu de food qui a été fait. Donc très bien, on est très content. On va pouvoir commencer à faire le food market. Qui va, en fait, il faut le faire en sorte que ce soit pas trop trop loin du grenier non plus pour qu'il puisse rapidement se servir dans la réserve pour ensuite... Ah ouais, il y a quand même pas mal de bouffe qui rentre là. Ils sont chauds. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors... Que disent nos gens? Ah, mon dieu, on n'est pas content. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup il y a beaucoup de chômage. Qu'allons-nous faire? Ah, putain, et les gens sont en train de mourir car il n'y a pas assez de santé. Très bien. En fait, tout ça, c'est cette interface de gestion politique qui va nous permettre, en fait, de mettre nos priorités. Donc, notamment, là, voilà, il y a les Equites qui sont d'un côté et qui font plus de bail. Ah merde, c'est des Equites qui font la religion. Non, on a besoin de 75. Et sinon, la plèbe est là. Il y a quand même 258 personnes qui sont pas employées. Donc, on peut choisir d'augmenter les salaires, d'abaisser les salaires. On peut mettre, on peut augmenter les impôts, abaisser les impôts. Oui, bon, là, tout va bien à peu près, mais ça, c'est normal parce que je suis qu'au début de la partie. Mais voilà, là, j'ai pas encore mis d'impôts. Ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir une cité avec le moins d'impôts possible, si ça paraît un petit peu optimiste. Mais voilà, parce que si on augmente les impôts, évidemment, la population pète les plombs. Après... Mediocre. Voilà, donc on est médiocre hein, au regard de Rome, qui est donc la cité auquel il faut plaire, à laquelle il faut plaire, il faut plaire à l'Empire, il faut plaire à la République, il faut plaire. Donc du coup, parfois on peut soit changer son salaire, en disant, oui, bah, moi, j'ai besoin de plus et tout, je suis questeur pour l'instant. Questeur. En fait, plus augmenté, plus vous pouvez avoir une... Voilà, on peut choisir, voilà, on peut être apprenti, clerc, député, décurion, magnaté, quaestor, aedile, praetor, censor et consul, à la latine. Et ouais, bon, voilà, on peut changer les trucs. Bon, forcément, si on se met un salaire de consul alors qu'on n'en branle pas une, évidemment, on va se faire défoncer par Rome, qui va nous juger très fortement. Voilà, donc on peut accepter. De se faire 12 dénarii par mois. Et en fait, ces dénarii, vous pouvez soit les faire une donation, soit faire un festival, financer des festivals. Festival avec un S. Ou pas. Ou envoyer un cadeau à Rome pour sucer des bites. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire.
les ratings et tout ça. Bon, voilà, bref, il y a tout un tas de trucs assez cool là-dessus. Donc ça permet vraiment de monitorer tout ce qu'on fait. Et sans doute que, bah voilà, là, on a besoin de religion, on a besoin de santé, donc il va falloir qu'on fasse des équitests, tout en restant quand même en mode, le plus important, c'est que, bah voilà, on a besoin de bouffe, quoi. On a besoin de bouffe, les gars. Donc, voilà. Donc, les équitesses, on va les mettre en face des bâtiments religieux. Voilà, on va en mettre 3. Je sais pas trop combien ça va en faire. J'espère que ça va pas tomber en dérédiction. Bref, du coup, on va continuer notre petit... on va continuer de créer des trucs de ferme. Parce que, ben, le nerf de la guerre... Les gars, c'est la bouffe. Je vais essayer de pas trop polluer les rives, dans le sens où on va en avoir besoin pour un accès à l'eau le plus rapidement possible. Voilà, de l'eau propre. Mais pour l'instant, vraiment, la grosse obsession des gens, évidemment, c'est la bouffe, c'est ce qui est normal. Oh, il y a un joli petit... petite gestion de la journée. Bien. Alors, la population a atteint 500 personnes. Incroyable. Attendez, hop. Juste un petit truc. J'ai besoin de changer. Voilà. Bien. Alors. Les basic goods. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? De quoi avez-vous besoin ? Ouais, là, eux, ils commencent à avoir besoin d'eau. Donc, on va faire un réservoir qui, logiquement... On va essayer de le faire au plus près de la flotte. Et avant, il y avait un indicateur. Aqueduc, nanana, nanana. Ah, on va annuler cette merde. C'est quoi les bails, là ? Ah bah, va falloir pomper, les gars. Pomper. Eh, César, pomper. Vous l'avez ? Bon, bref. Continuons et créons donc un aqueduc pour pouvoir... Mon Dieu, c'est pas hyper optimisé. Voilà, là, ce que j'ai fait, c'est la bonne grosse daube. Et on va être obligé de foutre un... Je pense que je vais le foutre... mettre par là notre bah pas trop près non plus. Voilà, on va mettre un réservoir ici, hop, et on va créer une fontaine, voilà, que les gens puissent avoir accès à de l'eau potable. Ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup ça va nous permettre aussi de faire des thermes. Oh putain, c'est galère, ça, des thermes. Pour augmenter un petit peu l'hygiène, qui est pas terrible, on va créer un peu une petite clinique. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça fait la gueule ? Très bien. Alors, on en est où ? Ah, wheat, summer wheat, winter wheat, and more wheat. We grow it all. Bon, ça nous a pas donné plus de renseignements. Les citizens always desire spiritual guidance. I wonder what games are afoot today. Je pense qu'ils sont chiés. I don't expect a high station, but rather a good life. Bon, ils sont pas très ambitieux. Ils sont moins agressifs que dans Kaiser 3 quand même. C'était carrément le. On se faisait insulter assez régulièrement. Hein. Bien, on va quand même continuer à faire grandir. Ah ouais, parce qu'on est quand même déjà à 700 de population. Eh bien, vous savez quoi, on va faire. On va diversifier notre production. Voilà.
Voilà. Ça, j'ai décidé que ce serait le quartier de la bouffe. Le quartier, meilleur quartier du monde, hein, évidemment, parce que la bouffe, comme on dit, c'est la vie. On commence à relier tout ça, voilà. Hop. On va peut-être faire un peu de divertissement parce que les gens vont s'emmerder. Alors, on va faire un petit théâtre quand même. Oh putain, non. Oh là là, ok. Nous allons faire un Odéum. Et en général, les Odéum, on a besoin. Alors, ça, c'est quoi? Ok. On va avoir besoin d'une guilde d'acteurs. Voilà. Pour avoir un peu plus d'entertainment. Du coup, je me suis un peu égaré dans mes petits bails. Mais. On va pouvoir faire. Attends. Two cattle pastures. Alors, il va falloir essayer d'être un peu malin pour pouvoir les foutre correctement. Voilà, donc 2, donc ça veut dire qu'il faut que j'en fasse 4. Et oui, j'ai fait un bac S. Voilà, ça se sent immédiatement. Voilà, donc là, on en a 4. Ça veut dire qu'il va falloir que j'abatte des arbres comme un vieux porc pour pouvoir augmenter tout ça. Ça va être passionnant. Voilà, donc on va pouvoir produire de la viande. Ça va être assez cool. Alors vous allez voir tout ce qui est olive. Ah ouais, ça fait des petits... Ok. Wow, qu'est-ce que c'est que ces bails? Ok, je sais pas. Bon, en tout cas, on est dans la merde là parce qu'il va falloir se sortir les doigts. Bon. Parlons quand même éducation. Parlons peu, parlons bien, parlons école. Parce que bah, on a besoin d'un moment ou d'un autre. Alors, c'est quoi les basic goods? Pardon. Ah! Très bien. Donc, ça veut dire que les femmes ne savent pas faire des cabanes. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Va falloir qu'on fasse des olives. Des vêtements, donc c'est ces matières premières là, donc évidemment olive et laine. Et du coup, il va falloir que je fasse mes pastures. Voilà, ils vont avoir un. Ils vont galérer un peu pour y aller. Et on va faire un petit peu d'olive ici. C'est dommage, j'ai vraiment pas géré mon truc. Non, en vrai, ouais. Bon, écoutez, c'est qu'une partie pour s'en mettre un petit peu dans le bain, quoi. Ouais, j'aurais dû les pousser un peu plus contre la rive, mais bon, c'est pas grave. Comme ils disent, errare humanum est, hein. Putain. C'est un peu lourd. Ah bah, vos souhaits. Et voilà, on pourra pouvoir commencer à mettre ça là. Ah. Bon. Va falloir se sortir les doigts sur la bouffe, les gars. Alors voilà, on a aussi des petits. Des espèces d'events qui se passent, et là il va falloir qu'on sorte de la bouffe pour Rome. Donc du coup, j'étais parti pour faire des trucs un peu tranquilles, et en fait, il va falloir que je me sorte les doigts. Voilà. Là, on est quand même à 750 de population, donc du coup, il doit y avoir encore pas mal de chômage, et pas assez de bouffe pour nourrir le peuple. Et on a besoin de nourrir le peuple. Je suis vraiment placé comme une brêle. Hein. 1, 2. Et on va avoir besoin de plus d'équitesse. Autant vous dire que c'est la merde. Je suis vraiment trop conne, moi, putain. Voilà, on va mettre là. 1, 2. 3, 4. Voilà, on en a fait 6. Parfait. C'était bien du 8, hein. Ouais, c'est ça. Il va
Alors du coup, voilà, on va pouvoir faire, on va pouvoir commencer à faire des clauses et de l'huile d'olive. Alors je me demande quel type de personnes ils ont besoin de quoi. Je sais pas. Il va falloir faire un entrepôt. On va quand même garder ça pas loin. Je fais vraiment n'importe quoi en termes de... En termes d'urbanisme. Eh bien alors, bon alors qu'est-ce que ça dit ? With such a dull city, it's no wonder immigration is sluggish. Oui, bon, on est débile, hein. Our city is losing money. Ah, on a pas mal d'équites. Bah, je sais pas à quoi ils servent en fait, les équites. Pardon. Donc voici la carte du monde où nous pouvons gentiment... Ah ouais, peut-être qu'il va falloir que je les équipe justement. Ok, on va revenir à la cité. Peut-être que les écoutes travaillent dans tout ce qui est intelligence, dans tout ce qui est... je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, c'est ça. Les Equites ont donc des métiers qui sont plus évolués que nos malheureux plébéiens. Alors, oui, on sait, on est con, on perd de la monnaie, on est triste. Voilà, on va tout de suite envoyer cette merde à Rome. Comme ça, on est débarrassé. Et on peut continuer à faire nos bails et à nourrir notre plèbe. Alors, voilà. Bah, finalement, les écoutes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi, les gens? Alors, on va faire un micro-trottoir. Bonjour! Many of our best oils are actually a blend of different olives. Waouh, ça c'est différent de Kaiser 3. Kaiser 3, il nous disait vraiment ce qui allait pas dans la ville et tout ça. Là, ils sont plutôt en mode tranquille, en mode ouais, bon bah voilà. Raconte un peu leur life. Ce qui est assez drôle. Eh ben alors, il va falloir se dépêcher. Ah oui, tout ça c'est. Ah ouais, c'est des luxury goods. Interesting. Moi, je suis un peu en YOLO. Bon, ça, on l'avait remarqué, hein, mais... Je sais pas s'ils vont être capables de passer de l'autre côté sans problème. Bah désolé les arbres, hein, mais histoire de votre vie. Alors là, bonne chance pour arriver jusqu'à là-bas, quoi. Ça c'est bien, oui, ma maison Châtelet-Léal, on y reverra tous les jours, quoi. Being a shepherd may not be terribly exciting, but at least I get plenty of. Oh putain, ça prend feu.
Alors. Alors, on va mettre ça quand même derrière, derrière les Equites. Voilà. Pour ça, c'est le forum. Donc, ça va permettre d'augmenter un peu le cachet du territoire. Culture 26, sécurité 50, prospérité 1. Favor 9% de chômage. Ben voilà, là, on a de la bouffe. C'est quoi les bails? Qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'huile d'olive. Bien, pas mal. Par contre, ouais, au niveau ferme et tout... Je vais peut-être attendre un peu avant de faire le Basic Dude Market, parce que ça va me permettre d'économiser et de capitaliser un petit peu sur l'huile d'olive, avant qu'il se passe des trucs dramatiques. Alors, on va organiser un petit festival. S'il te plaît. Tu vas pas me saouler, hein. Je t'ai quand même envoyé de la bouffe. Tu te calmes, d'accord? Tu te calmes. Respect for the gods is so high in the city that they are sure to notice and bless us greatly. Super. Eh bien, on va faire un festival. On va faire la fête à Bacchus. On peut pas faire ça? Putain, on n'a pas de cirque. Ah ouais, c'est devenu de plus en plus chiant, en fait. Bon, eh bien, écoutez, on fera ça plus tard. J'ai un problème avec la navigation là. Un très gros problème. Très bien. Bon, on va essayer de faire venir plus d'équites. C'est pas gagné, les gars. Je pense qu'il faut des trucs un peu à la con, hein, je pense. En tout cas, il y a une jolie petite ville qui commence à se faire. Et au moins, ces gens ne crèvent pas de faim. Avec deux types de bouffe. Si ça, c'est pas cool, en vrai. Bon. Ils sont contents. Visiblement, ils sont assez contents. Bah, écoutez, évidemment que les impôts sont raisonnables. Il n'y a pas d'impôts dans cette ville, voilà. Il veut pas se dépêcher les moutons là, c'est si long que ça. Il faut les tendre, hein, messieurs dames. Eh bien, les gens ont... continue d'affluer dans notre ville et c'est plutôt une bonne nouvelle. On va faire une autre petite chose d'huile d'olive, comme ça va être déjà au moins. C'est juste à côté de l'entrepôt, donc ils vont pas se faire chier et ça c'est cool. Et je vais commencer à produire des produits de luxe. Ah, déjà ils sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Bon, alors. Où elle est? La flotte. Elle est là. Fontaine. Et là. Hop. Pile poil. Parce que, en gros, si on change les bails sur la flotte, on voit que jusqu'ici, voilà, c'est. Ça peut être. Voilà. On peut filer de la flotte jusqu'à ici. Après, c'est fini, quoi. Bon. Et si on faisait. Attendez. Il faut des équites. Il nous faut des équites, donc du coup on va commencer à faire d'autres quartiers. Là on va commencer à grandir par ici. Là, hop, on va remettre un petit peu de personnes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de commencer à partir sur de l'industrie. Et ça c'est pas les équites qui vont s'en charger.
Bon, visiblement, on rigole, on s'amuse. Il se passe des choses sympas à l'Odeum. On n'a pas encore assez d'équitesse, hein, visiblement. On n'a pas encore assez d'équitesse, il va falloir qu'on... qu'on fasse des efforts. Donc, on va en faire. Alors là, je vois que je suis auto-niqué. Ouais, parfait. Est-ce qu'on peut faire une autre droite, là, s'il vous plaît? Voilà, par contre, on va refaire un petit... Engineering, parce que better safe than sorry. Alors ça y est, nos plébéiens sont un petit peu pas mécontents. Tiens, c'est très simple. Nous allons recréer un autre secteur. On va dire... Un autre secteur. Putain, c'est vraiment comme ça. Ouais, c'est la fête. Un autre secteur industriel et agricole. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir besoin de vin. Voilà, on va avoir besoin de vin. Donc. Voilà, du vin. Du vin, du vin. Du vein, du pain et des jeux. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que c'est que ces bails? C'est chiant, ça! Bon. Ensuite, on va aller... En fait, on va vraiment refaire un quartier ici avec carrément un entrepôt. Un entrepôt directement ici pour qu'ils aient pas trop à se déplacer. Et que nous on puisse capitaliser et être assez contents. Et en face on va faire les ateliers. Là on va avoir besoin. On va avoir besoin de ça et de vin. Voilà. Alors. Cannot get resources. Vous vous foutez de ma gueule, c'est quoi les bails là? Il y en a juste à côté des ressources. Faut se dé. Je comprends pas. Oui, ok, j'ai peut-être fait un tout petit peu de déforestation à côté, mais quand même. Oui, je sais. Alors, du coup... Bah, ah oui, on va avoir besoin de sous, à un moment ou à un autre. Et on va donc faire patrouiller des aubergines. Voilà. Un peu partout, comme ça, tranquille. Et voilà. Ah, parfait. Ça y est. On va le mettre ici. Pour essayer d'avoir une couverture un peu optimale. Voilà, donc on est... Ah, voilà. On va pouvoir commencer. Ça y est, on va commencer à pouvoir faire des choses intéressantes. On reste dans la Rome, on reste dans la Rome antique, donc on a quand même besoin. Putain, on peut pas. Qu'est-ce que c'est que ces bails de merde? Bon, alors, visiblement, on va avoir du mal. Donc, ouais, du coup, on va refaire ça. J'imagine un peu naïvement qu'il va falloir juste faire un pont, je sais pas quoi. Sauf que... Comment je fais un putain de bridge?
Voilà. Hop. Est-ce que c'est trop loin? Est-ce qu'ils sont vraiment aussi cassos que ça? Non. Ah bah voilà. Alors, ça a commencé à évoluer. C'est une insula de taille moyenne. Voilà. Il y a moins de problèmes que sur Kaiser 3 pour ça. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un autre grenier d'ailleurs? Est-ce que des gens sont en bad à attendre? Eh, ça y est, on a pas mal de trucs qui tournent. Ça y est, c'est cool. C'est cool. Peut-être qu'il va falloir faire un autre grenier. Mais tant mieux, c'est le signe que ça se passe plutôt bien. Par contre, je vais être un peu à la dèche de ressources. On va pas se le cacher. We work hard out here to try and make sure all you soft city types get enough to eat. Ah. Oui, je peux pas faire ça. Il y en a pourtant juste à côté, je bouge pas. C'est casse-couille. Bon, du coup, on va se concentrer sur la création d'objets en verre. Voilà. Boum. Ça qu'on veut, du verre. Oh putain. Ah ouais. Bon, écoutez, c'est quand même relativement simple. Enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple parce que là, par exemple, je vais avoir pas assez d'argent pour. Enfin, ça va pas trop quoi. En termes de fric, bon. C'est pas la fête quoi. Par contre, ce que j'apprécie par rapport à Kaiser 3, c'est que on voit vraiment plus les personnages se déplacer, aller chercher de la flotte, revenir et tout ça. Je trouve ça vraiment plus amusant. Bon, c'est un jeu qui date, qui a 11 ans. Donc, effectivement, voilà. Mais ça n'existe plus, les jeux comme ça, à la cool de City Builder, un peu à l'antique et tout ça, avec des... qui ont un peu de challenge. Bon, là, j'ai choisi de ne pas avoir de challenge, pour le coup, mais effectivement, ouais, ça manque un peu au paysage. Moi, je vais foutre des barbies ici. Alors, on va faire un market de luxury. Par contre, JPP, là, le... Ah, fuck. C'est un peu chiant.
Parce que là, je vais pas pouvoir faire ce que je veux là. On a du vin, on a du verre, on a de l'huile d'olive. On est plutôt pas mal. Et on est où dans notre grenier? Ah ouais. Bon, est-ce que. Qu'est-ce que dit Rome? Que dit Rome? Rome, que dis-tu? Rome considers your efforts to be mediocre. Oh, tu te calmes. Tu te calmes, ok? Bon, du coup, on va faire une ferme avec des animaux, heureusement. Bon, c'est moins dramatique qu'avant, hein. C'est vraiment moins dramatique qu'avant. Après, j'ai pas encore essuyé d'attaque ou quoi que ce soit, mais ça passe plutôt bien. Oh. Voilà, c'est un médium domus. Et la plèbe est encore en énorme bad. Oh putain, qu'on s'approche feu. Immédiatement de la main d'œuvre, quoi, c'est vraiment la fête. Bon, il semblerait que Sierra se soit rendu compte de la difficulté de son Kaiser 3 quand même. Mais par contre, là, les routes elles sont improbables, quoi. Pourquoi tu veux pas continuer tout droit? C'est quoi ces bails de merde? Voilà. On va se focus sur l'industrie, hein. On va pas se cacher. Qu'est-ce qui va pas? Ça bosse. Et ça bosse pas, quoi. Je comprends pas. Pourtant, des iron mines, y en a genre ici, quoi. Non, ça, c'est du clay. C'est trop loin, t'as la flemme, c'est ça que t'essayes de me dire? Foiré. On en est où, là, pour la... Ah, effectivement. Je me demande si je peux pas stocker le... Attends. Rome considers your efforts to be... Oui, je sais. Our city needs more workers. More workers? Ah! Bah, tant mieux! Oui, les finances sont pas terribles. Voilà, on va stockpile et par contre, effectivement, on va aller regarder cette map de plus près et on va se faire une petite route de commerce. Ça vend de la laine, du marbre et du miel. Ah oui, il y a des ressources qui n'étaient pas là avant. Alors, l'Egypte, qu'est-ce que ça fait? Ça veut de l'huile d'olive. Super gosse, non. Ah, c'est des ennemis. Mais vous inquiétez pas, les jeunes tiers. Ah, on est entouré d'ennemis, quoi. Alors. Bon, on s'en bat les couilles, en fait, du coup.
Ah, du fer. Ouais, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Bah, pour l'instant, on va ouvrir une route en Numidie et on va... ça coûte cher, cette merde. Alors, on va ensuite donner des ordres. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ah, ok. Donc en fait, on va pas du tout importer cette merde. Oh putain, on peut... Qu'est-ce que c'est que ces bails là? Je crois pas. C'est un peu relou, non? On s'était dit quoi? Ah mon dieu! There are trade routes available that could be advantageous to our city. Oui, je sais, j'ai entendu. Non, c'est pas ça. On peut pas aller directement, on n'en veut pas. Avant, on pouvait. Parce que là, clairement, tout ça, enfin, tout ce qu'il y a sur la route de commerce nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment exporter et se faire de la thune. Attends, on n'a pas le cul sorti d'avance. C'était Graves, Fool et Olive. Voilà, c'est ça. Et on va importer, on va exporter. Je sais plus ce que c'était, donc je vais mettre les trucs un peu importants qu'on a. Le vin. Voilà. Parfait. C'est un peu relou. Oh là là, j'ai du mal avec cette merde. Bon, alors je suis endetté, donc c'est la merde. Quoi? On s'en fout. Allez hop, on va donner le maximum à la cité. Voilà, on va donner ses sous. Pas comment faire. Là, je vais me faire défoncer par Rome parce que. Je m'en fous. Allez. Bah, je peux pas, les gars, désolé. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai aucune idée de comment ça se passe en termes d'échanges commerciaux. Comment ça se passe? Parce que je vois pas du tout où ça peut être en fait. Parce qu'avant il y avait des postes de commerce. Mais là en l'occurrence j'ai pas l'impression qu'il y en ait. C'est chiant putain. Il y a balle de monde qui arrive, hein, c'est abusé. If we don't get more food around here, I'll soon be saying nothing but... Mais de quoi vous parlez de la food? C'est plein à craquer de ouf là. Je comprends pas. Rome considers your efforts to be mediocre. There are trade routes available that could be advantageous to our city. Je comprends pas du tout. Bref, peu importe.
Parce que là, bon, bah, il y en a de la bouffe, là, c'est... Je comprends pas. Being a shepherd may not be terribly exciting, but at least I get plenty of me time. Lol. I don't expect a high station, but rather a good life. Mais soyez ambitieux, regardez, là, il y a des larges sous là. Oh là 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 là, c'est la fête du string. Nous allons procéder à un test de la plus haute importance. Donc, hasard 3, si vous vous cassiez pendant une dizaine de minutes, votre cité était à feu et à sang. Je vais actuellement aller fumer une cigarette et je vais voir ce que ça donne quand je vais revenir. A tout de suite pour de nouvelles aventures.
Eh bien non, il ne s'est rien passé. Incroyable. Ah ouais, ils sont obligés de mettre de la bouffe dans l'entrepôt. Ah non, c'est des pelotes de laine. Il y a encore beaucoup de unemployment. Ah, ils font chier. On s'en fout. Nous, on est des fous. Ah bah voilà. Bah voilà, c'était ça. On va vendre de ça et Rome a besoin donc de close, donc va falloir qu'on refasse parce qu'en fait on a blinde de laine. Oh là là. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va vraiment avoir besoin de stocker. There are trade routes available that could be advantageous to our city. Je sais. Rome considers your efforts to be mediocre. Oui, bah on se détend hein, Rome. On va réussir à s'en sortir. Ouais, le plus important, ça va être vraiment de s'en sortir au niveau fringues, quoi. A priori, ça devrait aller vite parce que ce qui manquait, c'était vraiment de la place dans les entrepôts pour pouvoir récupérer ça, quoi. If there's one thing we'll never run out of, it's sand. On va d'ailleurs faire en sorte qu'il n'y ait que ça dedans, en fait. On va avoir besoin vraiment de garder un maximum ces trucs pour envoyer à Rome et ensuite pouvoir commencer à trade. Il en faut une vingtaine à peu près. Donc là on est à 14, ça continue d'affluer. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Oh
En fait, faut vraiment qu'on remonte nos finances pour pouvoir envisager de d'aller plus loin en fait dans notre population quoi. Voilà, techniquement, on devrait avoir... Rome considers your efforts to be mediocre. Allez, on y est presque, on y est presque. I bring only the finest goods from abroad. Ouais, c'est chiant, hein. Faudrait qu'on fasse plus de grippe. Rome considers your efforts to be mediocre. Voilà. There are trade routes available that could be advantageous to our city. Bon, eh bien, nous avons réussi à envoyer ça à Rome. Rome considers your efforts to be... On va leur envoyer un petit cadeau. Voilà. On est revenu à notre taux initial. Bon, écoutez, très bien. Cette reprise en main de Caesar 4 est super intéressante. Bon... Il y a encore plein de choses que j'avais oubliées, qu'il faut que je remette en place tout ça, et voilà, mais j'ai trouvé ça assez sympa, comme petit jeu. Évidemment, Caesar 3 est beaucoup plus exigeant que ça, beaucoup plus aux prises avec ce genre de... Enfin, les événements aléatoires qui peuvent détruire votre cité et foutre en l'air pendant tous vos efforts. Là, pour le coup, en facile, ça passe plutôt bien. Donc on verra bien l'évolution dans le temps. Et on se retrouvera sans doute pour un prochain stream. Voilà, c'était Hades sur Caesar 4. Et je vous dis à bientôt sur un prochain stream. Have fun!